Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur Minecraft cette fois. Alors en gros, durant ce tuto, je vais vous apprendre à jouer à Minecraft, c'est-à-dire, c'est simple, en gros, je vais vous apprendre à créer votre serveur Minecraft. Je ne vais pas vous apprendre à craquer Minecraft car ce n'est pas légal. Bon, je vais vous apprendre à faire en sorte que les personnes craquées puissent venir sur votre serveur. Ce qui en soi n'est pas illégal. Donc maintenant nous allons faire quelques petits téléchargements. Voilà. Parce que le tuto Minecraft, en fait, il y a plein de monde qui m'a demandé. Étant donné qu'il y a plein de monde, je vous le fais. Alors, c'est très simple. Nous allons commencer par créer notre serveur. Alors, pour créer son propre serveur, c'est plutôt assez simple. Il suffit d'aller sur minecraft.net, qui est un site pas mal réputé quand même. Voilà. Bon, après, on arrive sur cette page-là. Une fois arrivé sur cette page-là, vous allez dans Download. Et si vous n'avez pas le jeu, vous pouvez télécharger le jeu-là, mais il est payant. Ou là, vous avez le serveur, vous avez la version de serveur Minecraft. Alors, franchement, ça prend quelques jours à télécharger, après, vous faites enregistrer le fichier, voilà. Donc, une fois ça vous donne. Ça vous donne. Est-ce que je l'ai ou je vais être obligé de le télécharger, je sais plus. Bon, je vais le télécharger. Donc, nous allons prendre le point jar, c'est mieux. Vous voyez là, dans 29 secondes, je l'ai. Je vous dis que c'est rapide. Bon, regardez, hop, dans quelques secondes, je vais à 7 secondes. Excusez-moi pour cette intervention, voilà. Maintenant, nous allons créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier, voilà. Nous allons appeler mon serveur. Et sur ce dossier, nous allons mettre le point jar que nous voulons télécharger. Voilà. Ensuite, vous exécutez ce point jar. Normalement, voilà, il y a cette fenêtre-là qui se lance. En attendant, vous voyez que derrière, il y a des trucs qui se rajoutent dans le dossier. Et à chaque fois que vous voudrez lancer le serveur, bah, pendant cette partie-là du tuto, parce qu'après, je vous apprendrai une autre technique. En gros, pendant cette partie-là du tuto, on va démarrer le serveur comme ça. Et voilà. Alors, comment savoir si le serveur a démarré? C'est simple. À la fin, en général, il vous dit done. Donc, en gros, terminé. Là, regardez, on va aller voir sur le serveur. Je prends la version Minecraft. Sauf que, en théorie, je ne vais pas pouvoir me connecter à mon serveur. C'est bien ce que je disais, parce que moi, j'ai une version craquée. Donc, pour me connecter à mon serveur, pour les versions craquées, il va falloir que je fasse une petite modification dans le dossier mon serveur, voilà. Donc là, dans Server Properties, on ouvre avec notre pad plus. Et dans l'endroit où il y a noté Online Mode, à la place de truc, on va être false. Voilà. Maintenant, normalement, si je lance le serveur Minecraft.
Vous allez voir, c'est vraiment, c'est juste la première fois où il est loin de démarrer, après ça se démarre tout seul. C'est pareil, je vais vous apprendre comment modder votre serveur, etc. Voilà, vous voyez que ça marche maintenant. Voilà, je suis connecté sur mon serveur. Bon, alors c'est normal que le serveur il rame un peu. En tout cas, moi il rame sur mon moniteur. Bon, là c'est bon, il rame plus. Il rame plus, plus. Mais c'est qu'en général, la première utilisation de la première fois que vous allez sur le serveur, en général il va beaucoup ramer. Donc c'est normal. Donc voilà. Alors c'est la fin de la première partie du tuto. Je reviens pour un nouveau tuto. Bah, pour la suite de ce tuto sur les serveurs. À tout à l'heure.